Bienvenue, nous sommes très contents d'être là. Cinéma du Québec à Paris, cette année, Forum des images, je trouve que c'est une très belle initiative. On aime l'endroit. Nous allons être là à la fin de la projection, s'il y en a qui ont des questions. Comme dire, c'est pour ma part un film que j'aime beaucoup. C'est le deuxième film que nous faisons avec Jean-Philippe. Il y a eu un grand travail de fait sur ce film. On a travaillé dessus sur une période de 7 ans. Après la mort d'Élie Fortin, Jean-Philippe a patiemment passé 2 ans de sa vie à rencontrer les membres du groupe, ses amis, ses ex-blondes, sa famille, et de toutes ces conversations qui étaient comme ça sur mon bureau. Il a patiemment écrit un scénario et fait un très beau film. On dit toujours qu'on espère que vous allez l'aimer autant que nous l'aimons, mais cette fois-ci, c'est vrai. Alors, je me remercie du Jean de Sodec pour l'organisation de la semaine. Puis, vous dire que ben, pour nous, finalement, ce soir, le plaisir est double. Celui de vous présenter notre film, mais aussi celui de vous faire découvrir un des plus grands de la chanson québécoise, Dédé Fortin. Donc, je vous souhaite un bon visionnement et une bonne écoute de réalisateur. Écoutez, oui, c'est toujours c'est important que nos films voyagent. On fait partie de la francophonie. On est dans un petit îlot québécois et c'est toujours très agréable de pouvoir communiquer en français avec vous de l'autre côté, sentir qu'il y a une réception et qu'il y a un dialogue. Dédé Fortin, malheureusement, n'a pas percé chez vous. Il nous a quittés un peu trop vite, mais il aimait beaucoup la France. La Belgique. Vous allez comprendre dans ce film, il y a des membres du groupe qui sont français, qui sont belges, qui sont aussi anglophones, amérindiens. Dédé Fortin était un peu un visionnaire, je dirais, qui avait senti le Québec multiethnique en train de naître à la fin des années 80-90. Et il a fait une musique métissée, une musique qui puise à la fois dans les racines américaines du blues, la musique de Louisiane, en même temps les musiques. Même du bal musette français. C'est un personnage assez coloré que j'ai eu la chance de côtoyer à l'université parce que moi j'étudiais en cinéma et lui aussi. Il rêvait de faire des films dans sa vie. Et son talent de musicien est absolument incroyable. Donc c'est la musique qui l'a appelé. J'ai eu la chance de côtoyer. Pour moi, c'est un film qui parle bien sûr de cet artiste qui m'a profondément touché. Mais qui parle aussi du Québec des années 80-90. Vous allez voir comment il était engagé et passionné. Engagé pour la cause politique, engagé à tous les niveaux. Alors, je suis très content de vous présenter le film ce soir. J'aimerais ça céder la parole à Dimitri, qui incarne donc un des membres du groupe des Colocs. Moi, je tenais absolument à avoir un comédien français, parce que c'est ce que Dédé, à l'époque, avait fait. Et moi, j'ai un peu recréé en faisant le film la même dynamique de ce groupe-là. J'ai pris un comédien belge, un comédien français, un comédien anglophone, et pour recréer un peu le melting pot particulier des couleurs. Avant de passer la parole à Dimitri, simplement vous dire que les chansons que vous allez entendre dans le film, c'est le comédien Sébastien Ricard qui les chante. Nous avons réenregistré au complet toute la musique. Non, ce n'est pas du lip-sync, c'est véritablement il a recréé toutes les chansons. Donc, je donne la parole à Dimitri, qui pour l'occasion aujourd'hui a fait un maquillage spécial assez réussi. Alors, Dimitri. Merci, moi. Bonsoir. D'abord, je voulais vous remercier d'être là. Écoutez, je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que c'est la première fois que je vais au Québec, la première fois que je travaille au Québec. Et je suis vraiment très fier que ce soit pour ce film parce que c'est un très beau film. Je découvre un groupe que je ne connaissais pas, qui est un groupe vraiment très très intéressant. Et voilà, je suis très ému encore plus ce soir parce que le film étant pas sorti encore en France, c'est l'occasion pour mes amis et ma famille de le voir. Donc maintenant, quand je vais vous bassiner avec ce film, vous pourrez juger sur pièce, vous l'aurez vu. Voilà. Donc merci d'être là à tous. Moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de documentaires dans ma vie. Et bon, quand Dédé est mort, évidemment, ça nous a tous marqués beaucoup, beaucoup.
C'est Roger qui a eu le. Ben, on l'avait déjà parlé ensemble. C'est lui qui a eu l'intuition de faire ce film-là et qui m'a appelé et qui m'a dit: écoute, Jean-Philippe, il faudrait faire un film, pas maintenant, pas tout de suite, mais il faudrait réfléchir à l'idée de faire un film. Et moi, j'étais honnêtement assez traumatisé de m'attaquer à la Dédé Fortin. C'était encore très frais dans l'histoire récente. Et comme je fais beaucoup de documentaires, ben, j'ai au début, je me suis dit: ben, écoute, Roger, je vais faire une recherche comme je l'ai fait quand je fais un film documentaire, ce sera peut-être un film documentaire. Et Roger a insisté, puis non, c'est pas une fiction, il faut aller plus loin. Au début, on ne savait pas, on était ce qu'on va prendre des images d'archives qu'on va intégrer dans des scènes de fiction. Bref, l'idée a évolué pendant toutes ces années-là pour finalement que je me rende compte que c'était une histoire qui dépassait l'anecdote, qui dépassait le simple fait de faire un film sur les colocs. En fait, on connaît pas les colocs, pour moi, c'était pas vraiment important. C'est l'histoire d'un homme, d'un artiste face à lui-même, dans sa quête intérieure. C'était quelque chose de beaucoup touché. Et d'ailleurs, vous avez vu dans le film qu'il y a beaucoup de moments où il est complètement seul face à lui-même. Donc forcément, malgré la recherche, malgré ce que les gens m'ont dit, ça reste un film très subjectif. Et bon, ma vision de cet homme-là, tous les gens au Québec ont un Dédé en tête, et il y en a qui me disent: ben, Dédé était comme ça, Dédé était comme ça. J'ai entendu un peu plein d'histoires et vraiment humblement, j'ai fait la mienne. Et comme a dit Jean-Philippe, on ne voulait pas faire un film immédiatement après sa mort. Les années ont été très profitables, le temps de rencontrer ses ex-blondes, les gens, et de laisser décanter. Tout le mérite revient à Jean-Philippe d'avoir vraiment voulu recréer. Pour ceux qui connaissent les colocs, ils se ressemblent vraiment. Et Dimitri, qui a été une grande découverte pour nous et vraiment un grand plaisir de travailler avec lui. C'était véritablement touchant de le voir.